Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui étant un jour férié, je vous propose une application de jeu qui peut être installée sur tablette ou smartphone. Ce jeu est un jeu de réflexion, c'est un jeu de tangramme. Donc pour pouvoir l'installer, nous allons cliquer sur Play Store. Dans la barre de recherche en haut, je vais rechercher Tangram King. Et je lance la recherche avec la petite loupe qui se situe en bas. Vous pouvez cliquer donc sur Tangram King proposé par Mobirix et cliquer sur le bouton Installer. Mon application est installée, je peux cliquer sur le bouton Ouvrir. L'application s'ouvre. Je peux fermer à la croix. Alors là, l'écran que vous avez, c'est une proposition d'autres jeux proposés par, par Mobirix. Donc moi, je m'en fiche, je ferme à la croix. Et vous arrivez sur l'accueil du jeu. Vous avez 5 jeux disponibles, soit le mode classique. Donc vous avez différentes formes qui vous seront proposées. Alors vous voyez que vous avez plein de niveaux différents. Je clique sur le premier. Et il me suffit de reconstituer le dessin à partir des formes qui me sont proposées. Pour cela, je clique sur la forme, je reste appuyé et je la glisse au bon endroit. Une fois la forme terminée, il vous suffit de cliquer sur le bouton rose avec une flèche pour passer au niveau suivant, et ainsi de suite. Je clique sur la flèche qui se situe en haut à gauche. Voulez-vous quitter le jeu? Yes. Une publicité apparaît. Comme nous avons vu dans une vidéo précédente, il vous suffit de cliquer sur la croix pour pouvoir quitter cette publicité. Attention, des fois vous avez un décompte et il faut attendre qu'il soit terminé pour pouvoir avoir cette croix. Je reclique une nouvelle fois sur la flèche. Double, ça va être la même chose, sauf que vous avez deux formes à réaliser à chaque niveau. Spin va vous permettre... Donc si je décale une forme, je vois que celle-ci ne rentre pas et qu'elle n'est pas dans le bon sens. Vous avez, en cliquant dessus, ce rond qui apparaît avec cette double flèche, qui va vous permettre d'incliner la forme pour pouvoir la positionner correctement. Ensuite, il vous suffit de glisser et de mettre au bon endroit les objets. Si je me suis trompée et que je veux recommencer complètement le symbole, il suffit de faire la double flèche qui se trouve en bas à gauche. Et toutes les pièces vont se remettre au point de départ. Je quitte, je ferme la publicité. Au niveau de flip, donc vous avez possibilité de changer la symétrie de la forme. C'est-à-dire, si je clique dessus, vous avez en bas à droite ces deux flèches qui se regardent. Si je clique dessus, je change l'orientation de ma forme. Je reviens en arrière, je quitte. J'attends la fin du décompte pour fermer la publicité. Je reviens encore en arrière. Le niveau hard, c'est un niveau qui va combiner et la possibilité de jouer sur la symétrie des formes et sur l'orientation de ces formes. Donc vous avez quelque chose qui va être d'un niveau de difficulté plus important. Vous avez une petite ampoule avec un chiffre. Ça vous permet d'obtenir une aide sur une forme à mettre. Donc là, il m'indique que c'est le petit triangle qui doit être mis de cette manière-là et positionné ici. Nous en avons terminé avec la présentation de cette application. Amusez-vous bien avec. Je vous souhaite à tous une excellente journée et prenez bien soin de vous. À bientôt.